Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On est le 3 février aujourd'hui. J'ai envie de vous faire une petite vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça fait un petit moment parce que j'ai pas eu beaucoup de temps pour le faire. Enfin, j'ai pas pris le temps de le faire, on va dire. Parce que j'ai pas mal travaillé, j'ai pas mal eu de consultations privées. Donc voilà, là j'ai envie. Aujourd'hui, de vous faire un petit tirage pour la nouvelle lune, parce qu'on est encore dans les énergies de la nouvelle lune. En plus, on est dans des énergies d'un gros, gros, gros portail depuis hier et je crois jusqu'au 21, d'après ce que j'ai lu. Pardon. Donc, je vais vous faire un petit tirage. Avec mon Béline, hein, qui a bien vécu, hein, mais c'est vraiment le jeu que j'utilise le plus souvent. En attendant mon tirage, je vous engage à vous abonner à ma chaîne YouTube, à la partager, à commenter, à liker afin d'essayer de faire vivre, de m'aider à faire vivre cette chaîne. Voilà. Allez, on est parti. Pardon, j'ai un chat dans la gorge, il ne veut pas sortir. Allez, je vais faire sauter quelques cartes. J'espère que ça va venir. Un petit message pour les gens qui vont regarder cette vidéo. Sur les énergies de cette nouvelle lune. Allez, allez, allez. Ah oh. Je vais tirer plusieurs, mais le mois de février, c'est le mois de l'amour. Je pense que ça va me parler aussi. Je suis vraiment en attente de cet amour. Et ouais. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Je pense que pour certaines d'entre vous, il y a une attente. Il y a une attente, il y a une attente de love love. Mais c'est vraiment le mois, vraiment, c'est un mois, c'est vraiment le mois de l'amour. Donc, il y a un peu d'attente à ce niveau-là. Je pense que pour certains, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un en vue, il y a quelqu'un qui est dans votre cœur. Il y a quelqu'un avec qui vous aimeriez peut-être construire quelque chose. Il y a des discussions. Il y a des discussions, il y a des relations, on va dire, peut-être un peu pas, comment dire, c'est pas fixe, mais c'est pas régulier. Moi, je crois qu'il y a des choses qui sont là, je vois, par rapport à cette carte-là. pardon, je suis vraiment désolée. Il y a des relations, peut-être un petit peu conflictuelles. Pas conflictuelles dans le sens où vous ne vous entendez pas, mais peut-être que vous n'avez pas les mêmes attentes pour le moment. Peut-être qu'il y a des choses qui sont compliquées et d'un côté et de l'autre. Pour que ça puisse se mettre en place tout de suite, en fait. Il y a des petits retards. C'est pas la carte du blocage, mais je la vois un petit peu comme ça, là. C'est ce que ça me dit. Des choses qui doivent se mettre en place. Peut-être, j'ai l'univers. Dans la tête, j'ai l'univers qui est en train d'essayer de mettre tout en place et puis qui se dit, mais ah, vous nous laissez pas faire, les gars, là, il faut nous laisser un peu travailler parce que des deux côtés, en fait, ça tergiverse, ça se pose des questions, les deux sont dans le mental, je pense, les deux se posent beaucoup, 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 beaucoup de questions. C'est des remue-ménages là-dedans, enfin, vraiment, remue-méninges même, on se remue vraiment les méninges, je pense. Je pense qu'il y a de l'amour, hein, parce qu'il y a la première carte qui a sauté, c'est celle de l'amour. Donc, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, mais il y a vraiment enfin, quelque chose qui bloque. Du coup, je vois que il y a l'abondance après. Donc, l'univers va réussir, va réussir son travail de mettre en place les choses, de mettre en relation ces deux personnes. Mais, comment dire? Je pense qu'il va y avoir un peu de haut et de bas. Ça va être long. Je vois quelque chose qui va être long en fait à se mettre en place. Quelque chose qui, oui, voilà, qui un coup, ah, on veut avancer, mais on a peur, on a peur, on a peur, on a peur de s'engager. La maison, c'est le refuge, c'est l'engagement. On a peur de s'engager sur quelque chose en fait. On a peur de se tromper. J'ai ça. On a peur de se tromper. On a peur de se tromper de chemin. On a peur de peut-être de voir, enfin là on a quelque chose avec en ce moment en fait, et
cette peur du futur, c'est cette peur d'aller de l'avant, cette peur de pas prendre le bon chemin, de se dire, moi, ça, si je prends cette décision, je crois que c'est un des deux qui se dit, si je prends cette décision et que je me trompe et que finalement, je fais du mal à la personne, je sais pas, j'ai ça en fait. Donc, il y a des réserves. Ouais, c'est le mot réserve. Il y a des réserves, beaucoup de réserves. Pourtant, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Hein. Vraiment beaucoup d'amour. Hein. Énormément d'amour. Je ressens énormément d'affection, de tendresse. Il y a les blocages, ils sont là. Et comment dire, on se respecte. Les deux se respectent. Je pense que ça parle beaucoup de là, ça parle de couple. Hein. Il y a trop de cartes. Ça parle de couple. Je vais en tirer 11, je pense. Ah, il y aura la... Alors, je ne sais pas si les deux se connaissent. Ils se sont déjà vus ou pas, mais pour moi, il y a une rencontre. Ou des échanges plus réguliers, peut-être, qui vont se mettre en place. Alors. C'est quoi cette carte de la trahison qui vient être là, là? Et c'est quoi cette carte de la trahison qui vient se mettre là? Le chat noir. Allez, la dernière, je vais la mettre au-dessus. La 11, la clé. Je pense qu'il y a des peurs, hein, parce que... Alors, soit il y a des trahisons, peut-être des personnes... Pourtant, moi, je voyais de l'honnêteté, là, mais... peut-être la peur de blesser, la peur de se tromper, toujours. Je vois un petit... Comme si, un pas en avant, un pas en arrière. On avance, on se voit, on regrette, on se... Enfin... je sais pas, la peur. Je vois la peur, vraiment. Ou alors une sortie de schéma répétitif peut-être, ou comme il y a la clé au-dessus, je dirais peut-être en fait essayer de pas se trahir soi-même, de mais en même temps de pas refaire les mêmes erreurs peut-être, de pas refaire les mêmes erreurs, je dirais les erreurs qu'on a commises par le passé, de pas les reproduire. J'emmène le tapis avec. Qu'est-ce que ça va vous dire d'autre? Je vais faire un autre tirage. Est-ce que je prends un autre jeu? Ouais. Je vais prendre le miroir. Voir ce que ça va nous dire avec le miroir. L'oracle des miroirs. Continue le message. Je pense que ouais, voilà. Là, c'est vraiment des gens qui vont regarder. C'est vraiment les gens qui sont en attente d'amour. En attente de relation. Mais... c'est compliqué, hein. Allez. Comment ça va évoluer? Bon, ils veulent pas... Ça va être long. Voilà, d'habitude, je tire les cartes. Parce que vous voyez, comme je les fais sauter, des fois, c'est assez long. Ah, il y a de la correspondance. On est encore sur la correspondance. Et j'en ai marre de ce chat dans ma gorge. Je vais lâcher une souris pour qu'il sorte. Là, on est dans l'épistolaire, on est dans le mail, on est dans le message. On est sur de la longueur, en fait. On est vraiment quelque chose qui va mettre du temps, en fait, à évoluer. On va mettre du temps à évoluer. Peut-être qu'il y a un voyage, en fait. Peut-être les deux sont pas proches. Peut-être que les deux sont pas proches, pardon. Les deux sont pas proches et que du coup, il y a une mise en place très longue. Parce que vraiment, bah justement, je pense que peut-être c'est... Enfin, dans ceux qui vont regarder, peut-être pas proches géographiquement. Peut-être. Du coup, je vois là, donc, la gestation, ouais, c'est ça, la gestation de la communication, de la mise en place, et il y a un voyage et de l'amour. Soit,
les deux sont pas proches et du coup vont devoir bouger pour se rencontrer. Soit ça peut être des gens qui se connaissent déjà. Après, cette correspondance, pour moi, c'est plutôt du à distance en fait. Ça peut être des gens qui se connaissent déjà et qui du coup vont partir en voyage pour ensemble. Comme une lune de miel, je sais pas. Mais moi, je vois plus la première solution en fait pour des gens qui sont amis pour l'instant. Alors, il y a de la protection, hein. Les guides en fait sont en train de travailler. Protection divine. Ah, d'accord. Et ah, celle-là, ouais, non, celle-là, pourquoi je ne l'ai pas enlevée? Parce que je ne la prends pas. Elle ne me parle pas, celle-là. Magnétique. Voilà, alors je pense qu'il y a une relation qui se met en place pour moi. Une relation d'amour. Je pense que, alors, ça va parler beaucoup aux célibataires, mais comme il y a le 14 février, je sais pas, je vois des gens qui sont en attente. Alors peut-être que je transpose un peu pour moi qui suis célibataire, hein, mais je vois, voilà, soit, donc, du coup, une rencontre qui va se faire, mais pas tout de suite. Les deux, en fait, sont... Alors, peut-être un plus que l'autre sont assez frileux en fait, veulent aller doucement. C'est ça. Je pense qu'il y a une mise en place douce, quelque chose qui se construit doucement. On est voilà en gestation de comme un bébé, on construit enfin pendant 9 mois. Bon, on va pas dire que ça va mettre 9 mois à se construire, mais j'ai envie, j'ai l'impression en fait de la mise en place en douceur de quelque chose, d'un projet du coup de rencontre. Parce qu'il y a beaucoup d'amour. Hein. La carte de l'amour est sortie sur les deux jeux. Il y a beaucoup d'amour entre les deux personnes. Beaucoup de respect mutuel. Elle est belle, cette carte de l'amour-là. Elle est très très belle. Pardon. Je pense que c'est des gens qui se connaissent, mais amicalement, pour certains. Ou qui sont dans le même cercle d'amis. Et du coup, il y a un accord qui va être trouvé. Et la maison, la stabilité, quelque chose qui va se mettre en place durablement. Mais alors pourquoi j'ai eu la trahison de l'autre jeu, je sais pas, je sais pas. C'est bizarre parce que voilà, ceux qui sont en attente, j'ai l'instabilité en fait. C'est quelque chose qui va mettre du temps à se mettre en place, à se stabiliser. Voilà, ouais, il y a le voyage pour la réunion. Là, voilà, se réunir. Donc il y a 8, 9, 10. Allez, j'en tire une 11e. J'en tire une 11e. Ah, la trahison. Ah, ça va mettre du temps. Non, c'est ça. C'est ça, j'essaie vraiment cette notion de mise en place longue. Longue. Parce que les deux veulent pas faire n'importe quoi, je crois. Je crois que vous attendez votre autre. Je crois que vous attendez vraiment un amour puissant, un amour durable, quelque chose de beau. Je vois du romantisme. Je suis assez fleur bleue là en ce moment, donc, mais je vois vraiment du romantisme. Je vois vraiment quelque chose de joli, quelque chose de. Je vois des fleurs. Je vois un champ de fleurs dans ma tête. Ouais. Ouais. Bah écoutez, moi pour moi c'est ça, les énergies de ce mois, on va dire. Les énergies de la pleine lune plutôt, je disais. La nouvelle lune, je vais y arriver, si je suis perturbée. De les énergies de la nouvelle lune, voilà, on est en attente de rencontre, ou on est en attente de retour peut-être, de retour de quelqu'un. Ouais, on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui sont en attente d'amour. Je pense dans ceux qui vont regarder. Pour ceux qui sont en couple, peut-être ça veut dire que vous vous sentez pour l'instant peut-être plus en adéquation avec la personne avec qui vous êtes et peut-être
Bah, soit il y a quelqu'un d'autre qui vient, soit ça va être long de peut-être partir ensemble pour remettre, pour restabiliser les choses, en fait. Ça peut être aussi ça. Je pense que voilà, il y a des énergies là avec ce portail de nouveautés en fait, beaucoup plus d'amour. Je vois vraiment beaucoup plus de liens qui se créent. Bon, je vous tire une carte avec l'oracle des êtres fantastiques. Je vais vous lire ce que c'est parce que celui-là, c'est plus un oracle où je lis les réponses. Ah, il y en a une qui est retournée. Il y en a une où je lis les réponses. Enfin, voilà, c'est un oracle où je lis les réponses. On va dire. Allez, une petite carte. On va prendre celle-là. Le géant vert. Enfin, il est vert, mais c'est le géant. Alors, qu'est-ce que ça dit? Je vous montre. Il est beau, hein? Alors, le géant. Donc, c'est la carte numéro 15. Je vais finir là-dessus. Le géant, être fantastique, primordial et associé à la cosmogonie et aux forces de la nature. En ce moment, tu as peut-être trop tendance à te sentir inférieur aux autres et cela te bouleverse. Un complexe d'infériorité impacte négativement ton bien-être quotidien et devient pour toi un obstacle dans ta vie privée ou professionnelle. Ce n'est pas grave de se trouver quelques défauts, on en a tous, mais attention à ne pas te focaliser avec exagération sur ceux-ci. Ces autocritiques que tu t'infliges peuvent devenir de réels obstacles à ton épanouissement personnel. Choisis en pleine conscience de te montrer indifférent aux avis des autres à ton sujet ou ce que tu penses être leur avis, et tu pourras déjà atteindre une certaine liberté. Bien entendu, cela demande un grand travail sur toi et un peu de temps. Modifie ta manière de percevoir le monde et tu vas t'ouvrir à plusieurs champs des possibilités. Accepte les imperfections, place la barre moins haut et prends enfin le temps de respirer et d'être toi tout simplement. Il est important pour toi de lâcher prise. Le besoin de tout contrôler n'est lié qu'à ta peur. Ce n'est pas autour de toi qu'il faut changer les choses, c'est en toi qu'il faut créer une solide base pour pouvoir t'adapter à toute situation avec optimisme et bienveillance. Il est temps de te laisser porter avec confiance par la vie. C'est ainsi qu'elle te guidera vers les plus belles surprises. Tu es spécial. Aime-toi pour cela. Chaque personne qui vit dans ce monde est merveilleuse d'une façon unique. Alors crois en toi. Je pense que pour ce tirage qui parlait de rencontres, ça veut dire que peut-être les deux veulent vraiment se montrer sous leur meilleur jour. Peut-être que en fait, il y a tellement d'affection, tellement d'amour qu'ils ont peur que l'autre voit leurs défauts, voit leurs faiblesses et c'est peut-être ça, cette carte de la trahison. On a peur en fait, on a peur parce que c'est comme un amour idéalisé pour le moment et du coup, on a peur de revenir un peu dans la 3D et de voir le côté humain parce que ben, forcément, les gens sont. Pour moi, c'est des. Il y a, voilà, dans les gens qui vont regarder, peut-être des amours à distance, des gens qui se sont connus à distance, peut-être sur des sites de rencontres. Et voilà, là où alors on est dans l'imaginaire aussi, peut-être on n'a pas encore quelqu'un en vue, mais voilà, on est dans l'amour idéal, on est dans l'idéalisation. Peut-être faudrait revoir un peu, se dire que l'idéal, ça n'existe pas. Hein, donc. Voilà, accepter, s'accepter, accepter les autres avec la bienveillance, s'accepter soi-même pour trouver l'âme sœur, l'amour, le vrai. Voilà, je vais arrêter là, je pense. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous ai dit au début, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, tout ça, quoi. Je vous fais des milliards de bisous et je vous dis à bientôt.